Bonjour, alors polémique entre TPMP et Quotidien sur la langue du Dalai Lama. Alors, Quotidien avait trouvé ça drôle, et puis C8 et puis TPMP ont trouvé que c'était un peu pas bien. Donc, comme d'habitude, Gilles Verdez a fait du Verdez, mais bon, pour une fois, il avait un peu raison. Par contre, eh bien, Quotidien a retiré sa vidéo. Par contre, Bruno Attal, sur Twitter, l'a reposté, en disant, voilà, la vidéo que Quotidien vient de retirer, Yann Barthès excuse le Dalai Lama d'avoir demandé à un enfant de lui sucer la langue, c'est sa manière de dire bonjour. Ça fait rire sur le plateau. Quotidien succède de bien à Libé après les goûts et les couleurs. Donc voilà. Donc on donne la langue au chat, mais on ne donne pas la langue au lama. Allez, pour vous abonner, c'est en bas à droite. Bye bye.